en fait, on était en manœuvre de pêche. Le fil a été croché dans le power block. Donc il s'est mis debout sur la lisse du bateau. Il a voulu faire décrocher enlever le filet du power block, si tu veux. Le bateau a roulé un petit peu, il a glissé sur la lisse et puis il est tombé à l'eau. Et en tombant à l'eau, il s'est raccroché à une gaffe et la gaffe lui a transpercé le bras. Donc automatiquement, tout de suite, j'ai sauté sur le rebord du bateau et je le tenais avec la gaffe. Donc ça faisait une petite ligne de vie entre lui et moi, donc déjà là, moi je le tenais. Et heureusement qu'il avait son VFI, autrement, déjà avec la VFI, il avait du mal à... Donc j'ai appelé mon autre matelot, il a été chercher une échelle, on a mis l'échelle le long du bord. Et on a réussi à le hisser comme ça. Bon, il est jeune encore, il a réussi à monter, tu vois, il a un petit peu de mal, mais parce qu'avec le poids des fringues et tout, c'était pas évident. Non, il faisait pas si mauvais que ça, hein. Il faisait pas très beau, mais il y avait 2 mètres de clapot, quoi, un truc comme ça. Et à chaque fois que le bateau il roule comme ça, bah, automatiquement t'es un petit peu éjecté sur le côté, quoi. Mais le fait d'avoir la gaffe, bah, j'arrivais à le tenir quand même. Il avait ses vêtements assez lourds en fait, parce que c'est l'hiver, on a froid, tu vois. Et le VFI, ça l'aidait à... C'est une aide à la flottabilité, hein. ça l'aidait à nager un petit peu, quoi. Il n'aurait pas eu ça, ça aurait été un peu plus dur, je pense. Lui, la condition pour naviguer avec son père, c'était de mettre le VFI, voilà. Et maintenant, il me remercie, hein.